Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Les Affaires présenté par notre partenaire TELUS, intitulé Les soins virtuels en entreprise, une tendance ou une révolution. Je suis Nassima Benasseur, gestionnaire de contenu pour les événements Les Affaires. Tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Si vous souhaitez poser une question en privé durant la présentation, vous pouvez le faire en écrivant dans le coin en bas à droite de votre écran. Nous répondrons à quelques-unes d'entre elles au terme de la présentation. De plus, je vous invite à bien vouloir remplir le sondage au moment de quitter le webinaire. Il vous suffira de cliquer sur le lien qui s'affichera à l'écran. Enfin, vous pourrez revoir ce webinaire en différé dès demain. Un lien vous sera envoyé par courriel. Le webinaire de ce midi vous permettra, entre autres, de mieux comprendre l'évolution des soins virtuels et des tendances émergentes de la pandémie COVID-19, d'en apprendre de quelle manière la technologie peut contribuer à la mobilisation des employés ainsi qu'à la marque employeur. Et enfin, d'être à l'affût des considérations dans le choix de services de soins virtuels pour son entreprise. Pour en parler, je vous présente notre expert, Dr Van Hoa Phong Lee. Vous êtes directeur médical au sein du groupe santé Médicis, soutenu par TELUS Santé. Vous améliorez l'accès aux patients, aux professionnels de la santé et aux soins préventifs grâce à la technologie. À titre de médecin de soins primaires sur la plateforme Akira de TELUS Santé, vous vous intéressez plus particulièrement au dépistage précoce des maladies cardiovasculaires ou encore du cancer. Vous prodiguez également des conseils aux entreprises en matière de sécurité et de prévention au milieu du travail et en matière de gestion des invalidités, excusez-moi, y compris les blessures liées au travail dans le contexte d'une réglementation industrielle complexe. Monsieur, c'est à vous. Bonjour, merci Nassima pour la présentation. Merci à tous les gens qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour participer à cette présentation. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Juste avant de commencer, j'aimerais préciser là, que j'ai pas particulièrement de conflit d'intérêt quelconque là, au niveau de la présentation. Je détiens pas d'actifs financiers ou de participation d'actions dans n'importe quelle compagnie de télémédecine ou de soins virtuels. Tout simplement, je travaille comme médecin de famille pour une clinique là, qui fait partie du groupe Santé Médicis et donc soutenue par TELUS, mais autrement, j'ai pas de conflit d'intérêt particulier. Donc, rentrons dans le vif du sujet, les soins virtuels en entreprise, tendance ou révolution. Donc, ça m'étonnerait pas que plusieurs d'entre vous, là, à ce jour, durant les derniers mois, vous avez peut-être commencé à avoir vous-même, là, des premières consultations virtuelles, que ce soit dans le système public ou dans le système privé. Ça va être une discussion intéressante, là, de parler de tous ces enjeux-là, car effectivement, il y a un déploiement, une adoption, là, rapide qui se passe au niveau des soins virtuels, mais qui sont par ailleurs très différents là, selon si on a eu affaire avec les services dans le secteur public ou privé. Fait qu'on va essayer de démystifier tout ça. La présentation, pas besoin de m'y mettre beaucoup plus. Nassima a fait un tour d'horizon là, sur les champs de ma pratique. Fait que pandémie, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Grosso modo, des changements très importants au niveau des habitudes de vie de plusieurs d'entre nous. Premier changement, une majorité des travailleurs probablement qui participent ici à la conférence là, sont passés soit de manière complète ou quasi complète en télétravail. Donc définitivement un changement très important là, dans nos routines en tant que telles. Ensuite, l'essor des soins virtuels, je pense que c'est quelque chose qui se discute depuis très longtemps là, au niveau que ce soit de l'Organisation mondiale de la santé, des différents gouvernements, de l'industrie privée aussi. Mais pourtant, il y avait une espèce de lag très important, un retard dans le fond au niveau de l'adoption. Plusieurs choses qui ont causé ce retard-là, notamment les professionnels de la santé, entre autres, ont tardé à adopter ces solutions-là. Et puis, dans un deuxième temps, il y a tout l'aspect réglementaire aussi, là, au niveau gouvernemental, qui faisait en sorte que c'était pas nécessairement intéressant là, de s'embarquer là, dans le domaine de la santé virtuelle. Mais il y a des bénéfices énormes. Puis maintenant, dans le fond, là, rendu quelques mois plus tard, après le début de la pandémie, on réalise que, dans le fond, c'est un tournant inévitable, là, puis qu'on est encore seulement là, dans les balbutiements là, au niveau de la santé virtuelle.
Ensuite, je pense à un troisième thème là, qui va être bien important, qu'on commence à voir là, si certains d'entre vous sont des gestionnaires d'équipe ou travaillent dans les domaines des ressources humaines ou encore s'il y en a parmi vous là, qui sont dans le milieu plus des compagnies d'assurance ou qui travaillent dans les domaines de l'invalidité, des programmes d'aide aux employés, ben, vous avez probablement constaté là, qu'il y a un enjeu qui est très important, qui est encore un peu dans sa phase. Je dirais les débuts de tout ça. Hein. T'sais, les gens vivent déjà énormément de stress actuellement. Conciliation au travail, famille qui est pas facile là, parfois lorsqu'on on vit dans un petit logement. Il y a beaucoup de gens autour, on doit télétravailler en même temps. Des fois, les débuts des quarts de travail, les fins des quarts de travail, c'est pas toujours clair là, pour certains travailleurs et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un épuisement qui vient, une isolation sociale aussi qui fait en sorte que on peut pas voir les membres de sa famille, on peut pas aller pratiquer les activités sportives là, qu'on aime faire régulièrement, tout ça. Donc définitivement tous ces thèmes-là vont faire en sorte que les enjeux de santé mentale sont très importants aujourd'hui, mais on en a encore pour plusieurs mois, même quelques années là, avant de revenir à une certaine normale qui déjà représente un challenge énorme. Là. Donc, je pense que la santé mentale, ça va valoir la peine qu'on s'y attarde aussi là, pendant notre présentation. Donc aujourd'hui, on va parler un peu sur un coup d'œil sur les soins virtuels au Canada, un coup d'œil sur les soins virtuels, un peu qu'est-ce qui se fait ailleurs, les répercussions de la pandémie. On va essayer de différencier un peu aussi les soins virtuels en entreprise versus les soins virtuels qui se passent dans le réseau public et tout ça pour pouvoir différencier un peu c'est quoi les différents services qui sont disponibles lorsqu'on parle de télémédecine. Qu'est-ce que ça représente lorsque que c'est un service qui est offert par soit l'employeur ou l'assureur versus qu'est-ce qui se fait là, dans le système de santé, surtout québécois, là, ici qu'on va discuter. Ensuite, si on est un employeur, qu'on décide de choisir des soins virtuels, peut-être quelques thèmes importants de variables à considérer pour pouvoir choisir un service qui est adéquat pour ces équipes de travailleurs. On va parler de quelques cas, puis ensuite, on va se garder du temps aussi là, pour couvrir des questions. Donc, coup d'œil sur l'avenir des soins virtuels au Canada et ailleurs dans le monde. Donc, on va regarder ça ici. Ça, c'est une publication qui a été faite par l'Association médicale canadienne à l'été 2019. Ils se sont penchés là, sur les questions pourquoi est-ce qu'on a un retard versus d'autres pays là, sur l'adoption des soins virtuels. Puis, qu'est-ce qu'en pense un peu le public aussi? Fait qu'il avait fait un sondage intéressant là, avec Ipsos pour savoir qu'est-ce que les gens en fin de compte, là, pense de la santé virtuelle. Est-ce qu'on peut, ce qui en ressort, là, on voit qu'il y a quand même une grande majorité des gens, près de 3 répondants sur 4, là, qui avaient l'impression qu'il y aurait un meilleur accès, en fin de compte, aux services de santé grâce à la télémédecine. Que aussi, à peu près 7 participants sur 10 là, qui pensent que ça rendrait aussi les soins plus efficaces, plus rapides. C'est très pratique aussi, puis ça, on s'en doute pas quand on regarde le fait de pas devoir se déplacer, un, essayer d'avoir un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous, ensuite aller s'asseoir là-bas avec une panoplie de gens autour qui ont peut-être la diarrhée, le nez qui coule, qui tousse, etc. Donc, ces avantages-là sont certainement maintenant prouvés et non seulement suspectés. Et puis ensuite, on regarde quelques peut-être craintes aussi qui pouvaient être soulevées. Quand même une proportion importante là, de gens là, qui se disaient, est-ce qu'on va potentiellement avoir une moins bonne qualité de soins parce qu'on perd ce contact humain avec les professionnels qui vont livrer les soins? Est-ce qu'il y a un risque au niveau de la vie privée également, qui sont des très bons questionnements? Et puis, finalement, bon, on se demandait les questions gouvernementales, le public versus le privé. C'était une crainte que pouvaient avoir certains répondants là, au sondage également.
Cette slide, ce qu'elle nous montre d'intéressant, là, selon moi, c'est que les soins virtuels intéressent non seulement, tu sais, on aurait pu imaginer, par exemple, ben, c'est peut-être juste les plus jeunes patients, les catégories peut-être de 40 ans et moins, là, qui sont plus texte à vie, là, si on veut, qui pourrait être intéressé aux soins virtuels, mais dans le fond, qu'on regarde les chiffres, qu'on soit dans tous les différents ranges d'âge, il y a un intérêt là, qui est très, très marqué au niveau de l'accès finalement là, aux soins virtuels. Donc, même dans les catégories de 55 ans et plus, on voit que c'est plus de 6 personnes là, sur 10 qui manifestaient un intérêt. Puis là, tu sais, ça, c'était des chiffres là, qui remontent à 2010. Maintenant, je pense qu'on est complètement dans un autre pôle où la majorité des gens ont expérimenté les soins virtuels, ont déjà eu une, deux, trois, plusieurs consultations virtuelles. Fait que maintenant, si on regardait ça, une fois que les gens, en fin de compte, ont eu accès à ces soins-là, je pense que, un, ça fait réduire les craintes, surtout s'ils ont eu des bons services, puis tout ça. Puis deux, ça confirme à quel point est-ce que c'est plus pratique, en fin de compte, là, d'obtenir ce genre de service-là. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Comme je le disais en introduction, là, on est encore dans les balbutiements. Donc, actuellement, on a vraiment une approche, là, dans laquelle on apprend à faire de la première ligne, en fin de compte, de traitement, donc un bon système de triage, un bon système de sans rendez-vous pour adresser des conditions de santé aiguës. Ensuite, on va avoir des challenges hyper importants là, qui vont être soulevés, puis sur lesquels on travaille actuellement, puis sur lesquels on va devoir continuer à travailler, qui sont lorsqu'on dépasse ce contexte de première ligne, comment est-ce qu'on va organiser en fin de compte la transition vers une continuité des soins? Donc ça, je pense que c'est le challenge là, auquel on va faire face. Clairement, les soins virtuels sont là pour rester, mais de quelle façon est-ce qu'on va pouvoir ensuite assurer une meilleure continuité des soins et également ensuite la prise en charge de maladies chroniques? Parce qu'actuellement, c'est là que s'en vient la prochaine étape. Là. Un, on va essayer de désengorger, puis c'est là-dessus qu'on travaille actuellement, désengorger un peu les systèmes de première ligne, donc les urgences, des visites qui sont peut-être pas nécessaires là, dans des urgences physiques ou dans des sans rendez-vous physiques. Ça, définitivement, c'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup. Là, cette année, on voulait pas se rendre justement dans des cliniques physiques ou dans des sans rendez-vous, à moins d'avoir, bien sûr, là, des conditions très, très sérieuses. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est capable maintenant de décharger, si on veut, là, de ces cliniques-là. Mais dans un deuxième temps, maintenant, il va falloir s'attaquer aux problèmes de santé majeurs pour les gens. Donc, problèmes de contrôle du diabète, continuité des soins au niveau de la santé mentale, prise en charge des problèmes métaboliques, cholestérol en bon point, les habitudes de vie, le tabagisme. Il y a tellement de sphères dans lesquelles on va pouvoir améliorer la prise en charge. Puis c'est vraiment là-dessus qu'il faut se pencher parce qu'on regarde dans le fond les gens là où est-ce qu'ils ont de la difficulté, c'est aussi dans le suivi de leur maladie chronique et dans la continuité des soins. On peut passer rapidement là-dessus. Est-ce que le Canada était prêt? Définitivement, on n'était pas prêt. Je pense que les technologies étaient là, mais les infrastructures en tant que telles n'étaient pas nécessairement là en termes de réglementation, par exemple. Je pense que c'est autour du 16 mars cette année là, que le gouvernement du Québec, par exemple, a permis à des médecins de famille de pouvoir faire des téléconsultations par téléphone ou par vidéo avec leurs patients, puis que ça soit considéré comme une consultation médicale en fin de compte. Fait qu'avant, on pouvait le faire au privé, mais quand on passait dans le régime public, c'était pas reconnu comme un acte médical là, de faire ça. Donc, c'est tout le monde qui travaille sur le régime de l'assurance maladie en fin de compte. Il y avait zéro rémunération qui était associée là, à pouvoir faire des consultations puis à voir ses patients virtuellement. Donc,
Donc, pandémie oblige, dès le début de la pandémie, ils ont renversé ça. Dans d'autres provinces, ils étaient plus avancés. Ils permettaient, parce qu'ils reconnaissaient l'utilité, en fin de compte, là, de pouvoir donner accès à distance là, entre les professionnels puis les patients. Mais vous voyez, au Québec, là, c'est vraiment c'est la pandémie qui a comme enlevé ce nœud-là, en fin de compte. Donc, ce qu'on voyait déjà, c'est que dans des pays comme en Allemagne, en Angleterre, dans plusieurs pays européens aussi, les États-Unis étaient plus avancés que nous. Au Canada, on était très, très, très en retard là, en termes d'adoption des soins virtuels. Mais bon, là, on a fait un pas de géant là, au courant des derniers 10 mois. Là, on a fait vraiment autant de progrès là, que dans les 10 dernières années là, au niveau de l'adoption là, des soins virtuels. Donc, au niveau des différentes organisations, là, en 2018, là, ils ont commencé au niveau de tu sais, c'était des discussions qui étaient là depuis quelques années, mais on se pose toujours la question, dans le fond, là, d'un point de vue santé publique, d'un point de vue santé globale, comment est-ce qu'on va faire face aux enjeux de disparité entre les ressources qui sont disponibles au niveau des États, au niveau des différents gouvernements, versus le coût des soins de santé qui ne cesse, en fin de compte, de grandir. On développe des traitements qui sont super intéressants, qui nous permettent de guérir de différentes maladies. Donc maintenant, on a accès à des tests de dépistage qui sont incroyables, à des technologies qui sont incroyables pour les traitements également. En contrepartie, il y a un coût important qui vient avec tout ça. Aussi, il y a différents États où il y a des disparités géographiques aussi. C'est difficile d'avoir accès à un médecin si on habite loin, on n'a pas de moyens de transport. Différents endroits dans le monde ont des challenges différents. Puis aussi, avec le vieillissement de la population, on vit plus longtemps, donc on développe plus de maladies. Tu sais, tout le monde le sait, les maladies sont beaucoup plus fréquentes là, à un âge plus avancé qu'à un âge plus jeune. Donc, le fait qu'on vive plus longtemps engendre des coûts qui sont importants. Un des challenges démographiques qui est un challenge très difficile à aborder, mais en fin de compte, tu sais, si on regarde, là, on revient à 30 années en arrière, on avait peut-être, disons qu'on prend la situation du Canada, autour de 4-5 travailleurs par retraité en tant que tel. Donc, les travailleurs vont pouvoir payer des impôts, participer au financement du système de santé, versus les retraités ensuite rentrent dans une autre catégorie, puis éventuellement vont avoir besoin de plus de soins de santé, puis ne sont plus sur le marché du travail actif. L'espèce de balance entre les deux se dirige au niveau démographique vers une situation où éventuellement, d'ici une dizaine d'années, il y aura probablement autour de 2 travailleurs pour un retraité. Fait qu'on, il y a un challenge qui est énorme en termes de revenus fiscaux versus qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir comme soins de santé. Puis de l'autre côté, en plus, on voit qu'une pandémie comme celle-ci a engendré un stress sur les budgets en tant que tel, qui fait en sorte que là, on va accumuler un déficit fédéral à des hauteurs astronomiques, même chose au niveau provincial et tout ça. Donc, il faut trouver, en fin de compte, des solutions qui vont faire en sorte comment est-ce qu'on renverse cette tendance des pour faire en sorte finalement que pour le même nombre de professionnels, pour le même nombre de gens qui vont dispenser des services, on soit capable d'offrir des services à plus de gens. Une piste de solution clairement passe par la santé virtuelle, parce que qu'est-ce qui coûte cher aussi au niveau du système de santé, c'est tout ce qui est brick and mortar, là, en fin de compte, fait que les installations physiques, c'est extrêmement dispendieux. Après ça, on a aussi le fait que les gens perdent un temps fou qui coûte beaucoup de ressources pour aller prendre un rendez-vous médical, perdre une demi à une journée de travail pour pouvoir aller consulter en tant que tel, tout le transport qui est associé, la perte de temps, les problèmes qui sont secondaires. Fait que la santé virtuelle, ça a été reconnu là, par tous les gouvernements comme étant l'approche qu'il faudrait prôner, une approche en fin de compte qui est un virtual first. Puis ensuite, on pourra, avec l'expérience terrain, puis tout ça, voir comment est-ce qu'on intègre comme il faut tout ce qui est santé virtuelle avec les installations physiques, qu'est-ce qui est nécessaire d'être vu en personne versus qu'est-ce qui se règle complètement au niveau virtuel, quel genre de suivi on peut faire au niveau virtuel versus au niveau physique. Donc en 2018, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, adopte une résolution sur la santé numérique à son Assemblée générale. Par la suite, tous les pays membres, un à un, vont adopter
une législation locale aussi, là, propre à leur pays, pour indiquer en fin de compte qu'est-ce qu'ils veulent faire avancer. Puis ensuite, ces grands plans stratégiques-là vont être peu à peu là, détaillés puis ventilés là, au niveau ensuite des organismes provinciaux, puis des organismes locaux, puis tout ça. Fait que tu sais, tout le monde là, en 2018, il y a eu une grande vague où tout le monde favorisait l'adoption d'une approche virtual first, une approche de santé numérique en fin de compte, qui va permettre beaucoup de choses. Un meilleur accès, une réduction des coûts, et puis éventuellement une meilleure communication aussi des informations médicales entre toutes les gens qui sont concernés. Ça, c'est peut-être ma slide préférée là, parmi toute la présentation. Puis je pense que c'est bien important de voir l'image ici qui montre le patient au milieu. Je dirais toutes les technologies qui ont été développé dans le passé avait cette j'allais dire faiblesse, en tout cas c'est dur de décrire c'est quoi le problème là, mais à l'époque en fin de compte moi ce que j'avais l'impression c'est que les premières technologies on donnait accès par exemple ok ben, parfait toi tu travailles dans une pharmacie on va avoir un logiciel pour que tu puisses bien gérer ta pharmacie toi tu travailles dans une clinique médicale on va t'offrir des outils de gestion de clinique on va t'offrir ça pour que ça soit plus efficace là, pour les gens qui vont dispenser des soins ou qui vont faire partie du réseau. Parfait, les tests d'imagerie, on va vous connecter, les hôpitaux vont pouvoir parler avec les cliniques médicales vont pouvoir parler avec les pharmacies. Tout ça, c'est des choses qui sont fantastiques, là, qui ont aidé, dans le fond, certaines communications d'échange d'informations. Mais il reste toujours, en fin de compte, une personne qui avait de l'air aussi perdue à travers le système, puis c'était l'individu lui-même, puis le patient. Okay? Fait que la révolution importante, la façon de penser au futur de notre système de santé, c'est de remettre le patient au milieu pour que ce soit lui qui soit le chef d'orchestre en fin de compte, puis que ce soit lui qui soit le propriétaire de ses propres informations de santé, puis qu'il soit capable de les communiquer avec les différents intervenants. Donc ici, c'est vraiment de remettre en fin de compte le patient au centre, puis ça, je pense que ça va passer beaucoup là, par le développement finalement d'un portail là, du type un Personal Health Record, un PHR, qui va vraiment donner, en fin de compte, un pouvoir à l'individu de sentir qu'il est impliqué au niveau de sa santé. Puis à partir de là, que lui soit capable de communiquer avec les différents intervenants, plutôt que ce soit juste des outils qui permettent aux différents intervenants de parler entre eux sans avoir le patient nécessairement qui fait partie de la discussion, puis que c'est lui qui décide où s'en va ces informations, puis qu'est-ce qu'il fait avec. Éventuellement, il faut vraiment que ça passe plus vers un rôle central du patient en tant que tel. Et on le sait que lorsque les patients sont plus impliqués au niveau de leur santé, ben les issues de santé sont meilleures, puis ça permet une amélioration de sa santé personnelle. Ça va nous permettre aussi de shifter d'une approche actuellement qui est très curative en fin de compte. La médecine, le système de santé est beaucoup basé sur un diagnostic suivi d'un traitement. Alors que on parlait des enjeux là, de gouvernance, des gouvernements, des budgets, puis tout ça, l'objectif pour réduire en fin de compte la facture de santé, puis améliorer la santé des gens, vont passer par la prévention. Puis trop peu est fait en ce moment. Fait qu'il faut sortir un peu de ce rôle hospitalo-centriste ou encore de médecine curative, d'approche curative à la santé, puis à passer vers une approche davantage aussi préventive. Donc, à partir du moment où l'individu, le patient lui-même est impliqué davantage dans la gestion de sa propre santé, ça va favoriser beaucoup une approche de prévention en tant que telle. Fait que moi, je suis autant que possible, là, je pense qu'il faut pousser à donner accès aux gens à des ressources, par exemple, comme des psychologues pour la santé mentale, des travailleurs sociaux pour faire de la prévention avec des kinésiologues, des physiothérapeutes, des ergothérapeutes pour la santé métabolique aussi à
des nutritionnistes. Donc, tous ces volets-là, en ce moment, ils sont trop difficiles d'accès pour beaucoup de gens, alors que si on met plus d'accent sur la prévention, les gens vont se porter en meilleure santé. Puis on le voit, là, tu sais, prenons l'exemple de la pandémie. On regarde les taux de mortalité, les taux de morbidité, d'hospitalisation, puis on le voit, hein. Qui est-ce qui sont les gens qui vont décéder? Bien sûr, il y a le facteur de l'âge qui est important, mais après ça, on regarde les gens qui ont un embonpoint important, là, qui font de l'obésité, les gens qui ont des maladies chroniques, que ce soit de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, du diabète. Toutes ces maladies-là, en fin de compte, peuvent en grande partie, bien sûr, pas tout le monde, mais probablement autour de 90% des gens qui sont porteurs de ces maladies chroniques, pourraient les éviter grâce à de la prévention. Donc, c'est là qu'il faut mettre la majorité de nos ressources, c'est là qu'il faut mettre un gros push, là, c'est dans la prévention et dans un nouveau modèle, là, qui est davantage centré sur le patient. Ensuite, sur la droite ici, on met un petit modèle ici de l'entreprise, puis de l'approche des soins, ensuite des travailleurs, puis ensuite de leur famille aussi. Ça, c'est une nouvelle tendance que je trouve extrêmement intéressante, justement, parce que la prévention, autant que ça a été difficile, puis ça continue de l'être là au niveau des ressources offertes par le réseau public de santé. C'est là que les entreprises, je pense, peuvent venir intervenir là-dedans puis offrir des ressources qui vont permettre de faire de la prévention. Où est-ce que, dans le fond, le privé, les entreprises, ça, où est-ce qu'ils devraient s'investir, c'est dans les meilleures ressources possibles pour garder son monde en santé. Les hôpitaux vont s'occuper du curatif, là, puis de ça, puis j'espère que le public va aussi se pencher, là, sur les enjeux de prévention davantage. Mais là où est-ce que je vois un changement important, c'est que les entreprises maintenant se soucient beaucoup plus du bien-être de leurs employés, de leurs équipes. Puis ça, c'est très important. Puis je regarde sur une plateforme là, comme Akira sur laquelle je travaille, puis tout ça. Maintenant, là, cette année, on est passé à couvrir là, plus que 500 000 travailleurs à travers le pays et leur famille. Fait que ça, c'est super intéressant. Les gens peuvent venir consulter en ligne, que ce soit conjoint, conjointe, du travailleur, que ce soit les enfants qui vivent au même domicile aussi. Ils ont tous accès. Fait qu'à travers ces plus de 500 000 employés, on couvre plus d'1 million de Canadiens, en fin de compte, qui ont accès à nos ressources virtuelles. Donc ça, c'est un plus qui est énorme, ce qui fait en sorte aussi, tiens, on s'entend, même chose que les enfants aient pas à la garderie ou pas à l'école, comme ça a été le cas au printemps dernier, ça apporte tout un lot où est-ce que là, ben, les parents, des fois, ils se retrouvent mal pris aussi parce qu'ils doivent rester. Ben, c'est la même chose s'ils ont un enjeu de santé, puis qu'il faut les amener à la clinique, puis qu'il faut faire ça. Eh bien, le travailleur, lui non plus, il peut pas faire sa journée, continuer ses choses. Donc, le fait d'avoir accès à des soins de santé à domicile, ça permet à tous ces gens-là d'économiser un temps énorme et ça permet aussi d'apporter des soins à leurs proches. Donc, d'une réduction du stress, sachant qu'on peut parler à quelqu'un puis établir assez rapidement, en l'espace de quelques minutes, écoute, c'est-tu un cas urgent? Est-ce que oui, peut-être, là, des fois, il faut y aller, il faut aller voir quelqu'un en physique, il faut toucher le ventre, il faut examiner, passer des tests, versus d'autres fois, on est capable de régler un problème de A à Z en ligne. Puis, je vous dirais, ça, c'est quand même à peu près 65 à 75% du temps, là, on est capable de régler les problèmes totalement en ligne. Donc, ça, c'est intéressant, là, une approche 1, patient centré et de deux, une approche où on va viser la prévention et le bien-être de nos équipes et de leurs familles. On va passer ça. C'est ici, on voit là, quelques préoccupations importantes là, des gens face à la situation de la pandémie. Donc, certainement, pour beaucoup de gens, la situation financière a été difficile, que ce soit perte d'emploi, mise à pied temporaire ou permanente. Les entrepreneurs aussi ont vécu beaucoup de difficultés. Les propriétaires d'établissements ou les propriétaires de locaux locatifs aussi, tout le monde, dans le fond, s'en voit répercuter. Donc, les répercussions financières, des répercussions
répercussions sur la famille aussi, diminution des interactions sociales, enjeux de santé mentale. On voit ici là que pour près de un répondant sur cinq ou un répondant sur quatre, on a des enjeux importants au niveau de la santé mentale. Donc définitivement, tu sais, ça laisse personne indifférent puis ça engendre là, tout son lot de problèmes. Le nombre de consultations ici là qu'on voit par exemple en matière de santé mentale, ça montre à quel point cette année, c'est un thème là, qui est encore plus important. Fait qu'il faut absolument s'attaquer à ces choses-là. On a des belles nouvelles ressources d'ailleurs là, sur nos plateformes qu'on vient d'installer là, pour avoir des plus grands groupes là, de travailleurs sociaux, de la psychothérapie en ligne aussi. C'est sûr qu'il y a toujours des challenges. Il y a des gens. Il y a un lien physique lors de la psychothérapie est comme quand même important pour certaines personnes versus d'autres personnes qui sont très, très contentes de tout simplement pouvoir, des fois que ça serait juste échanger un peu, chatter avec quelqu'un, d'autres fois là, y aller par vidéo carrément, puis faire des sessions là, de thérapie cognitive ou de thérapie comportementale. Donc, l'accès aux soins de santé mentale, là, je pense que c'est quelque chose de super important, tellement important que tu sais, nos gouvernements ici, ils réfléchissent aussi, écoute, est-ce que ça serait un service qu'on devrait donner assurable sur l'assurance maladie en tant que telle pour que finalement qu'on voit un psychologue dans un cabinet privé, que ce soit en présentiel ou en distanciel, peu importe, que ça puisse être remboursé aux individus parce que l'accès en ce moment qu'on passe par ce qu'on appelle les guichets d'accès en santé mentale, bien sûr, on va être capable d'être vu dans le réseau public si on a des hallucinations, qu'on est désorganisé, qu'on est suicidaire, c'est les cas extrêmes. Dans le réseau public, là, on est toujours, tu sais, on a un filet là, de sécurité sociale qui nous permet d'être pris en charge, mais tous les gens qui sont dans le milieu, en fin de compte, qui sont en situation d'épuisement professionnel, qui sont en situation d'anxiété sévère, qui n'en dorment pas, tout ça, mais qui ne sont pas particulièrement suicidaires ou qui sont pas en psychose et tout ça, avec des hallucinations, des délires paranoïdes ou peu importe. Dans le fond, si t'es pas un cas extrêmement dangereux immédiatement, ça devient excessivement difficile d'avoir des services en santé mentale, en psychothérapie et tout ça. Donc, ici, bon, entre-temps, je pense que le privé a un rôle important à jouer pour assurer le bien-être puis offrir des ressources aux gens. Puis éventuellement, ils sont en train d'en discuter, là, puis il y a un désir certainement là au niveau gouvernemental aussi de pouvoir offrir des services qui sont essentiels à notre population. Je pense qu'on a déjà pas mal couvert ça, là. Fait que juste pour peut-être mettre un petit mot, là, oui, dans la première vague, on a vu beaucoup de mortalité et d'hospitalisation, alors que le nombre de cas quotidiens était peut-être pas aussi élevé que ce qu'on voit cet automne, mais c'est à cause des types de populations que ça a atteint beaucoup, là, dans la première vague. C'était dans les résidences pour personnes âgées, dans des unités d'hospitalisation, tout ça se mélangeait partout. On avait moins de connaissances aussi sur la propagation. Est-ce que c'est une mode de transmission seulement par gouttelettes ou est-ce que les aérosols vont toucher. Donc, il y a beaucoup d'apprentissage. Puis ensuite, là, on s'est mieux équipé en termes de protection individuelle, les règles d'hygiène, les règles de distanciation là, qui sont strictes, absolument à suivre là, de façon rigoureuse. Là, j'ai peur de ce qui s'en vient aux États-Unis avec Thanksgiving, puis etc. Fait que ça, il faut qu'on continue de notre côté. Nous, on va avoir Noël qui s'en vient aussi. Là, fait que tout le monde, là, prudence maximale. Mais dans la première vague, donc les taux de mortalité, morbidité hospitalière là, très, très élevée. Dans un deuxième temps, là, ce qu'on va voir aussi, oui, les enjeux de santé mentale qui montent en flèche, mais une espèce de backlog aussi qui se passe au niveau de plusieurs interventions. Donc, on a vu les listes d'attente en chirurgie augmenter de façon importante, là, plus de 100 000 chirurgies là, qui sont en attente dans le réseau public et tout ça. Après ça, bon, les dépistages pour les cancers colorectal, les colonoscopies, tout ça, donc toutes ces investigations-là et ces enjeux-là vont persister. Je commence à être
positif par rapport à certaines choses dans le sens où les premières données qui sortent au niveau des vaccins et tout ça sont extrêmement encourageantes. Il semble qu'on va être, tu sais, on attend encore les homologations puis tout ça là pour les vaccins, mais quand même les premières données là, je pense, ont de quoi là nous offrir de l'espoir là pour les prochains mois puis l'année 2021. Fait que tout ça c'est bien, sauf que les enjeux de santé, eux, vont définitivement rester avec nous là pendant un bon moment, puis il va falloir rattraper tout ce qu'on pèle vers l'avant là, si on veut, en termes de dépistage des cancers, en termes de suivi des conditions de santé. Beaucoup de gens aussi ont pu faire moins de sport, donc augmentation du poids, puis ensuite les enjeux de santé mentale. Donc tout ça, il va avoir des répercussions qui vont dépasser, si on veut, qu'on va réussir à aller briser l'oxygène au niveau du feu qui est pris avec la pandémie. Fait qu'il faut s'attendre quand même là à ce qu'on ait beaucoup de démarches là, à continuer par la suite là, au niveau du réseau de la santé. Bon, ça, c'est plus pour les gens de ressources humaines. Quand même intéressant de voir que les employés, pour eux, c'est très important aussi de pouvoir avoir accès à ça. Il y avait un sondage intéressant là, qui avait été mené là, qui montrait, par exemple, que c'était un des enjeux très importants là, au niveau quand un candidat à l'embauche va choisir vers quelle entreprise il va se tourner. Le fait d'avoir une entreprise qui offre des services de santé intéressants, des assurance de santé intéressante, beaucoup de gens en fin de compte, c'est celle-là ici. Donc, qui penserait possiblement même considérer un emploi qui est légèrement moins rémunérateur, mais qui offre des meilleures conditions de santé puis des meilleurs services de santé et tout ça. Donc, je vous laisse y réfléchir un petit peu, là. Est-ce qu'on parle de un travailleur sur deux, deux travailleurs sur trois ou de trois travailleurs sur quatre, là, qui seraient prêts à accepter des conditions moindres? Ben, ça ici, on voit en fin de compte, là, c'est un sondage qui a été mené, là, je pense que c'était par Morneau Shepherd, si je me trompe pas, c'est bien ça, par Morneau Shepherd, puis qui montrait là qu'en fin de compte, le trois quarts des employés, là, c'est un enjeu qui est majeur pour eux, puis même une rémunération moins importante là, pourrait être justifiée si on a des meilleures conditions d'assurance puis des meilleurs accès aux soins de santé. Donc, ça ici, c'est plus pour les gens de ressources humaines et tout ça. Là, c'est ça pour d'autres gens. La réduction de l'absentéisme, ça, c'est bien important aussi. Là, t'sais, en fin de compte, t'sais, comme on le mentionnait tantôt, t'sais, pour quelqu'un là qui doit aller se présenter dans une clinique, puis tout ça, souvent, il va perdre une journée de travail là, pour pouvoir aller consulter en personne, tellement le système n'est pas nécessairement bien managé. Là, ici, avec des services de téléconsultation, en fin de compte, les gens peuvent faire ça là, du confort de leur maison. Ils peuvent faire ça le soir sans perdre une journée de travail, même avant de commencer. Tu sais, nous, nos services sont offerts 24 heures sur 24. En fin de compte, c'est tellement efficace pour les gens. Puis en fin de compte, tu sais, c'est ça qui fait toute la différence, là. On regardait au début des slides, là, qui montraient comment les gens allaient percevoir la santé virtuelle qui s'en venait. Mais là maintenant, t'sais, moi, on avait préparé cette présentation-là l'été dernier, qu'on n'avait pas encore les derniers sondages. Là, il y a des sondages qui sont sortis de l'Association médicale canadienne qui montrent qu'en fin de compte, maintenant, plus de un Québécois sur deux préférerait avoir une première évaluation de façon virtuelle plutôt que de se présenter dans une clinique. T'sais. Puis c'est pas difficile à imaginer, là, en fin de compte, même quelqu'un qui est pas germophobe en tant que tel, qui a pas une anxiété par rapport aux maladies. On a tous déjà été dans un sans rendez-vous, dans un hôpital, là, puis pas le goût de trop de toucher à trop d'affaires autour. Les gens sont malades, puis ont souvent des maladies infectieuses autour, des gastro, des rhumes, des virus qui circulent, puis tout ça. Fait qu'on comprend pourquoi la majorité des gens maintenant préféraient avoir une approche de virtual first, si on veut.
Puis, tu sais, là, c'est peut-être intéressant de donner un petit topo aussi sur qu'est-ce qui se passe justement public versus privé. Au public, comme on disait, ils ont permis maintenant de donner la technologie pour que les gens puissent accéder, mais on n'a pas encore fait un bon remaniement au niveau de l'organisation des soins. Fait que moi, souvent, quand je parle à mes patients en ligne, je vais leur dire, écoute, tu sais, pour tel problème, tu as-tu un médecin de famille aussi? Puis des fois, ils vont me dire, oui, effectivement, j'ai un médecin de famille. Puis là, je vais leur demander, as-tu essayé de le joindre pour parler de tel problème ou faire un suivi? Puis là, ils vont me dire, oui, avant de vous contacter, j'ai appelé à la clinique de mon médecin de famille. Auparavant, quand je voulais prendre un rendez-vous physique, ben, je téléphonais, puis on me donnait un rendez-vous 4 semaines plus tard avec lui. Ben, maintenant, dans le fond, quand je téléphone pour prendre un rendez-vous, on va me dire, ben oui, je vais vous donner un rendez-vous dans 4 semaines par vidéo, par téléphone avec votre médecin. Fait qu'en fin de compte, l'organisation des soins est encore déficiente, ce qui fait en sorte que les gens, ça n'a pas changé beaucoup leur délai là, pour pouvoir parler ou se faire évaluer avec leur professionnel de la santé. Par contre, ça va s'améliorer. Tu sais, je peux pas croire qu'on va pas, on peut pas faire mieux que ça. Là, on a tout ce qu'il faut pour faire mieux que ça. Après ça, c'est une question d'organisation des soins. Mais ce qui est vraiment pratique avec des systèmes comme Akira, par exemple, c'est que là, les gens, ils peuvent venir, là, puis en 2 minutes, ils sont avec l'infirmière, puis après ça, rapidement, là, ils vont avoir une évaluation aussi avec une super infirmière, là, une infirmière praticienne spécialisée, ou encore avec un médecin. Peut-être quelques thèmes là, qui sont importants à regarder. Il commence à y avoir plusieurs fournisseurs là, de soins de santé virtuels privés au Canada. Fait qu'on peut regarder quelles choses peuvent être importantes. Je pense ici la sécurité en tant que telle des systèmes, là, ça va être assez important. On a quand même des données personnelles importantes là, qu'on met sur ces systèmes-là. Donc, avoir peut-être un compagnie avec laquelle on fait affaire. Là, qui ont un bon management là, de leur système de sécurité. C'est quelque chose d'important. Après ça, si on est une organisation qui est pan-canadienne ou tu sais, qui fait affaire dans plusieurs villes, plusieurs provinces, des services bilingues, ça peut être intéressant. Ensuite, certains aussi peuvent avoir des bénéfices à avoir un fournisseur un peu mixte là, qui a des liens aussi avec les cliniques physiques ou qui ont un bon système de collaboration avec les cliniques physiques lorsque c'est nécessaire là, pour faire ensuite une transition là, vers les systèmes de soins traditionnels. Donc, il y a plusieurs choses, je pense, qui sont importantes à considérer. Fait que si vous êtes à la recherche, que vous avez des questions, ben là, vous pouvez contacter là, soit les équipes chez TELUS ou les équipes chez les autres fournisseurs là, de soins virtuels. Mais gardez en tête que ce soit la sécurité, la rapidité, quel genre de services sont offerts aussi. On a-tu des accès peut-être vers des psychothérapeutes sur la plateforme? Y a-tu d'autres services à part l'accès à un médecin de famille. Fait que, on peut rentrer un petit peu plus en détail pour voir là, quels seraient les meilleurs services, la meilleure qualité de service qu'on peut offrir à nos employés ou à nos équipes. Ceux qui ne l'ont pas encore exploré, on peut regarder un petit peu, vous pourrez regarder les slides. C'est vraiment intéressant comment les consultations sont faites en ligne. C'est des très, très belles technologies là, qui sont disponibles ici. Les raisons peut-être de consultation les plus fréquentes, oui, des infections, des problèmes aussi. Des fois, les gens ils se posent la question, écoute, j'ai tel symptôme, je devrais-tu aller me faire tester, je devrais-tu m'absenter pour combien de temps, quel genre de méthode préventive je devrais faire. Les gens ont toutes sortes de questions. Fait que des fois, c'est une question plus de pouvoir éclairer les gens puis les accompagner à travers tout ça. Des fois, aussi, en tout cas, nous, dans notre équipe, on a une super bonne travail interprofessionnel, fait que nos infirmières de première ligne, les infirmières cliniciennes, là, sont capables de donner plein de ressources de façon rapide là, aux individus qui viennent consulter. Puis après ça, qu'on voit, ah, non, ces cas-là ont besoin d'une évaluation un petit peu plus poussée. Là, ils vont les mettre dans une salle d'attente séparée pour les infirmières, les super infirmières ou les médecins. Puis là, nous, on va aller faire la deuxième évaluation quand l'infirmière de première ligne a jugé effectivement son
problème médical devrait être vu un petit peu plus loin. Les problèmes dermatologiques, très, très, très communs aussi. C'est le fun avec les photos, là, on voit vraiment très bien, puis on est capable de faire des choses intéressantes. Puis après ça, il y aura des belles technologies dans le domaine aussi de la dermato, là, qui va s'en venir, là, qui va nous permettre de faire des fois des suivis aussi, des reconnaissances des images. Ça, il y a vraiment des choses là, fantastiques là, qui s'en viennent de ce point de vue-là, des infections urinaires standard, on en voit des tonnes aussi. Tu sais, ça fait pas beaucoup de sens pour les gens de devoir prendre un rendez-vous soit un sans rendez-vous ou une clinique physique quand tu sais, on est connu pour des infections urinaires, on le sait que c'est ça, c'est assez simple. Pourquoi, dans le fond, aller attendre dans une salle d'attente et tout ça pour régler des fois là, des choses qui peuvent très bien être réglées virtuellement, qu'on n'est pas certain puis qu'on veut aller passer des analyses directement sur le système, on peut prescrire d'aller passer des prises de sang, des analyses d'urine, des tests de laboratoire, puis tout ça. Fait que, tu sais, so much can be done virtually de nos jours, là, qu'on devrait utiliser en fin de compte les technologies qui nous sont disponibles. Puis la santé mentale, définitivement, à peu près peut-être 40 à 50 % des consultations en ligne sur nos systèmes sont en lien avec la santé mentale. Donc, un thème primordial. Ça ici, c'était nos équipes chez TELUS là, qui nous rapportaient quelques statistiques intéressantes. Là, je trouvais celle ici pour les ameublements tanguiers, c'était intéressant parce que une des barrières aussi qu'on avait dans le passé, c'était OK, on a des technologies qui sont intéressantes. Est-ce que les gens les adoptent en tant que telles? Puis ça ici, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que chez cet employeur-là, par exemple, 2 tiers des employés en l'espace de quelques mois ont téléchargé l'application, activé leur compte et tout ça. Et probablement que c'est la pandémie qui a fait en sorte que l'adoption était si élevée. Les gens, ils n'ont pas le goût d'aller prendre des rendez-vous physiques puis tout ça. Fait que ça fait en sorte qu'il y a un taux d'adoption qui est très élevé. Aussi intéressant, dans le cas des employés de cette firme-là, 3 quarts des consultations, finalement, ont pu être complètement prises en charge de façon virtuelle. T'sais, de ce que nous, on voit en pratique, ça ressemble à entre 60 5 puis 75 % là. Fait qu'ici, c'était assez intéressant. Alliance, peut-être pour montrer une chose intéressante que il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Par exemple, ces temps-ci, je faisais des recherches sur différentes industries, puis on regarde, disons, l'industrie des camionneurs, là, pour moi, qui est un thème de santé active, parce que je les vois souvent, les chauffeurs qui ont plusieurs problèmes métaboliques de santé, puis on essaye de trouver des solutions pour ces gens-là. Puis je regardais des statistiques là, qui montraient que près de 30 % des camionneurs seulement aux États-Unis ont un médecin de famille qui font des suivis avec eux. Fait que ça montre que 70 % d'entre eux n'ont pas accès. Puis eux sont souvent en plus sur la route, ils bougent d'un endroit à l'autre, fait que c'est encore plus difficile d'avoir accès à des soins de santé, d'où la santé virtuelle là, qui a tout son intérêt ici. Le troisième cas pour les travailleurs de première ligne dans le domaine de la sécurité publique, intéressant de voir ici là, que les temps d'attente sont extrêmement bas, là. Ça a été super rapide pour eux d'avoir accès à une consultation là, sur nos systèmes virtuels. Donc, je pense que ça reprend pas mal tout ce qu'on a discuté. Parfait. Puis après ça, vous pourrez regarder la présentation et quelques ressources là, qui sont offertes aussi à la fin. Je vais te garder un petit peu de temps si il y a des gens qui ont des questions. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Lee. Merci beaucoup pour ce partage. On va avoir une dizaine de minutes pour les questions. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, sur le chat si vous avez des questions, pour Monsieur Lee. Alors, on va commencer par une première question, Madame Caroline Côté, qui vous demande, voyez-vous la possibilité pour un employeur qui offre la télémédecine aux employés de demander à des médecins attachés à ce réseau de procéder à des expertises médicales? Moi, je pense qu'il faut séparer les deux. Okay? Je vais pas étudier la question en tant que telle, mais d'après moi, il faut séparer les deux. D'un côté,
On veut que, dans le fond, la personne, lorsqu'elle vient consulter sur le système parce qu'elle a un enjeu de santé particulier, on veut que ce professionnel-là, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est prodiguer des soins, aider à la démarche diagnostique, prescrire aux besoins des tests complémentaires, puis ensuite offrir soit du counseling sur des traitements qui peuvent être non pharmacologiques ou encore prescrire des traitements pharmacologiques directement à la pharmacie. C'est ça qu'on veut, dans le fond, que les médecins de première ligne sur ces plateformes-là qui sont offertes puissent faire. Ensuite, rien ne nous empêche d'avoir une autre entité, par exemple, qui vont pouvoir offrir certaines évaluations de dossiers. Là, quand on parle d'expertise, il y en a plusieurs sortes. Des fois, ça va être de réviser l'historique d'un travailleur qui est invalide, par exemple, depuis 5, 6, 12, 18 mois, puis là, pouvoir donner un conseil à l'employeur ou à l'assureur, à savoir, écoute, le dossier progresse selon les règles de l'art ou non, il y a certaines choses qui accrochent un peu, peut-être qu'il faudrait aller justement passer une expertise médicale. Fait qu'il y a comme, avant l'expertise, peut-être une révision du dossier pour identifier, y a-t-il quelque chose qui mérite d'aller en expertise? Ça, c'est des choses qui pourraient se faire virtuellement avec peut-être une autre équipe ou peut-être qu'il peut y avoir une certaine alliance là, qui se fait, mais il faut quand même faire attention là, au niveau de que c'est peut-être pas toujours la même personne là, qui fait les deux. Puis ensuite, pourquoi pas aussi, il y a certaines firmes là, qui considèrent faire des expertises à distance. Je pense que ça s'y prête très bien, par exemple, pour de la santé mentale. Par vidéo, on est capable quand même de voir comment les gens se comportent, tout ça. Fait que pour la santé mentale, oui, il y a quelque chose qui joue aussi dans le regard, mais qu'on peut aussi faire par vidéo. Mais ensuite, beaucoup va se jouer sur le questionnaire, puis la révision des démarches thérapeutiques, puis etc., pour ensuite offrir des recommandations des fois aux médecins traitants, peut-être dans la prise en charge ou éclairer certains enjeux là, liés avec des thèmes d'invalidité plus à longue durée et tout ça pour les expertises. Donc, pour l'aspect de santé mentale, oui. Pour la santé physique en tant que telle, disons un individu qui a eu je sais pas moi, une entorse lombaire, finalement qui s'est compliqué avec des hernies discales, puis des spondylolisthésis, puis des problèmes au niveau de la colonne vertébrale, disons, puis tout ça. Un jour, notre technologie va nous permettre d'être plus efficace, probablement, là, pour pouvoir faire des examens physiques, musculo-squelettiques. Moi, aujourd'hui, je pense pas qu'on est là. On peut faire de la bonne révision de dossier puis donner des conseils virtuellement. On peut faire probablement des expertises de santé mentale, des expertises pour des blessures musculo-squelettiques qui causent des invalidités à long terme. Moi, je trouve pas qu'on est rendu là. Parfait, merci beaucoup pour cette réponse, docteur Lee. Nous avons une autre question d'Alexandre Desjardins. Combien de temps prend en moyenne la résolution des problèmes de l'appel à l'ordonnance ou à la référence? Ça, on pourrait demander la question à Telus. Moi, je peux vous dire, dans le fond, mon expérience personnelle. J'ai consulté sur ces systèmes-là, puis je réponds à beaucoup d'appels sur ces systèmes-là. Puis il y en a des approches différentes. Donc, il y a certains logiciels. Nous, c'est pas le cas. Dès que tu te connectes, en fin de compte, tu vas avoir tout de suite un lien avec une infirmière clinicienne à l'intérieur de 30 secondes, une minute, là. C'est hyper rapide pour la première étape. Il y en a d'autres qui vont fonctionner plus avec une espèce de robot, initialement, où il y a tout un symptom check. Puis des affaires, puis là tu vas rentrer des informations sans avoir parlé à quelqu'un. Puis à ce moment-là, ça va faire comme un premier triage automatique. Mais disons qu'on parle de ce que moi je connais, les plateformes sur lesquelles moi je travaille. Ça va prendre à peu près 30 secondes pour qu'ils commencent à discuter avec l'infirmière clinicienne. Puis ensuite, ils vont. Des fois, l'infirmière clinicienne va faire tout le travail en fin de compte, là, puis ça s'est résolu assez rapidement. Tu as accès rapidement, puis là rapidement tu règles ton problème. Mais disons qu'on prend un cas qui est un peu plus complexe. L'individu vient, va échanger pendant peut-être autour de 5 minutes avec l'infirmière clinicienne puis tout ça. Par la suite, l'infirmière clinicienne va la mettre dans la salle d'attente pour les super infirmières ou pour les médecins. Puis à ce moment-là, nous, dépendamment de la salle d'attente, combien il y a de patients qui sont là, ça peut prendre dans les moments où ce que c'est calme. Une minute là, pour voir tout de suite l'individu, ou dans les temps où est-ce que c'est plus compliqué, des fois ça pourrait prendre 20 minutes, 25 minutes, mais généralement c'est assez rapide, là. Aller du début jusqu'à la fin, je dirais pour ceux qui sont chanceux, qui arrivent à des zones qui ne sont pas très achalandées, ça peut prendre
10 à 15 minutes pour régler l'ensemble du problème, versus quand on est dans une période bien occupée, là, puis tout ça, ça peut prendre peut-être 30 à 60 minutes. Je vous dirais, c'est à peu près ça les délais, là, que moi je vois par expérience. Parfait, merci beaucoup, Monsieur Lee. Toujours Alexandre, est-ce que les médecins sont généralement ouverts à statuer sur des restrictions fonctionnelles à émettre? Je pourrais pas parler pour les autres médecins en tant que tels. Pour des restrictions fonctionnelles, tu sais, moi je pense qu'on peut en émettre à court terme. Quand on est rendu à émettre des limitations fonctionnelles à plus long terme, ben souvent ça va être pour des blessures musculo-squelettiques. Puis pour pouvoir les évaluer, là, puis émettre des restrictions fonctionnelles à plus long terme, moi je trouve souvent que ça risque de prendre un examen en personne aussi. Fait que c'est pour ça que l'espèce de continuité des soins est importante, où il faut qu'on développe un petit peu mieux cette espèce de lien qui se passe entre la première évaluation virtuelle. Donc pour des raisons de sécurité, c'est parfait si tu identifies que la personne, je sais pas moi, une tendinite importante, puis tout ça, un problème de tunnel carpien apparent, puis tout ça, OK, ben on va tout de suite donner les premiers conseils, tu sais, évite donc de faire ci, comment ci, puis tout ça, dans un premier temps. Puis après ça, par contre, tu sais, si on a l'impression, ben écoute, tu sais, c'est un problème qui est assez sérieux, où est-ce qu'on pourrait éventuellement envisager d'autres types d'interventions, puis ça se peut que, tu sais, avec le type de travail que tu fais, puis tout ça, il faudrait éviter ça sur plusieurs semaines, etc. Ben là, ça va prendre une espèce de continuité des soins. À l'heure actuelle, on est plus un espèce de système de sans rendez-vous en tant que tel, mais on est très conscient en voyant les limites de ce qui se font virtuellement, que la prochaine étape, justement, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut offrir aussi une continuité des soins. Puis ça va faire partie de la prochaine génération, je pense, de services qu'il va falloir qu'on soit capable d'offrir. C'est vraiment aussi une prise en charge virtuelle pour certains enjeux. Puis lorsque ça nécessite aussi un examen physique, qu'on puisse travailler en collaboration avec des cliniques physiques aussi, pour pouvoir établir des diagnostics qui requièrent des examens physiques pour établir, par exemple, des limitations fonctionnelles à plus long terme. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Nous avons une autre question de Vincent Aymon. Comment voyez-vous le rôle de plus en plus important de la télémédecine dans le secteur privé par rapport au secteur public? Les avancées sont indéniables dans le privé, mais est-ce que cela gruge les ressources du public? Un professionnel RH, est-ce que vous auriez d'autres bénéfices du secteur privé par rapport au secteur public pour convaincre la haute direction de mon organisation dans une perspective pas seulement à court terme, mais aussi long terme? Oui, moi, C'est une longue question. absolument, mais c'est une question qui est extrêmement pertinente. Moi, je vous dirais, tu sais, j'ai mon algorithme personnel, là, qui est à personne d'autre, là, je me prononce juste sur moi-même, mais à chaque fois que je vais m'impliquer dans un projet de santé quelconque, là, puis même avant de débuter à travailler sur les plateformes virtuelles de TELUS, puis tout ça, ou de développer des propres projets à moi, ou des programmes de santé, puis tout ça, je me pose toujours trois questions. La première, est-ce que c'est positif pour l'individu lui-même? Okay? Fait que là, clairement, ici, la télémédecine, c'est très positif là, pour les individus. Ça leur sauve beaucoup de ressources, ça leur enlève beaucoup de stress, ça leur donne la confiance qu'ils peuvent accéder rapidement, avoir des conseils, là, puis tout ça. Fait que ça assure un diagnostic plus rapide, puis ensuite un début de traitement plus rapide aussi. Fait que ça, c'est indéniable. Le deux, est-ce que c'est positif aussi pour les organisations? Fait que là, moi, je regarde ici, ben oui, c'est pour leur famille, pour leur unité familiale, c'est positif. Est-ce que c'est positif pour les employeurs, pour les... Mon analyse à moi me dit que oui. Mais la troisième chose, c'est est-ce que c'est positif aussi pour le système at large, pour la société en général, pour les autres stakeholders, si on veut, là, qui sont pas directement liés? Fait que c'est toujours une question qui est super importante pour moi. Puis si, effectivement, le fait de faire une certaine démarche était au détriment de la santé de la population générale, ben, je serais contre ce genre de mesures-là. On prend par exemple le port du masque, tu sais, ça, oui, OK, un, ça protège l'individu, deux, c'est bon pour les organisations, mais si une organisation se disait, écoute, moi, je veux une protection, là, top of the notch, là, la Ferrari, là, je veux que mes employés portent des masques N95, puis tout ça, à la grosseur de l'organisation quand ça fait pas de sens, ben le troisième critère, il répond pas, parce que c'était en pénurie, donc c'est négatif pour l'ensemble de la population que des employés qui sont pas particulièrement haut risque, là, portent des masques dont ils ont pas nécessairement besoin. Fait que ça, c'est le genre de thinking qui dit, ben tu peux bien répondre à un puis à deux, mais si tu réponds pas à trois,
Ça ne devrait pas être une décision, en fin de compte, que tu prends. Alors que ici, à date, le privé, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher beaucoup? C'est des ressources complémentaires. Fait que quand on regarde là, les médecins qui travaillent sur notre plateforme, par exemple, même chose pour moi, puis tout ça, il y en a aucun que je vois autour de moi, en fin de compte, qui en fait sa pratique principale. Tu sais, j'ai vu personne là, qui a dit, regarde, moi, j'arrête de faire de l'hôpital, je m'en vais travailler seulement en ligne. J'en ai pas vu un. Tu sais. Fait que c'est pas comme ça que les gens y sont. En fin de compte, les gens comme moi qui sont embarqués sur ces plateformes-là, il y a différentes raisons. Un, ça aurait pu être, tu sais, ce qui est pas mon cas, mais j'en vois plusieurs que ça peut être le cas. Ben, je m'en vais en congé de paternité, là, puis de maternité. Puis effectivement, là, tu sais, je ferai pas pendant un bout de clinique puis tout ça, ben, je vais pouvoir offrir de la disponibilité sur des plateformes de médecine virtuelle privée. Ça, c'est un scénario qu'on voit régulièrement. Deuxième scénario qui est un peu plus mon cas, puis beaucoup de gens autour de moi, on va le faire en complément. Fait qu'on continue notre pratique en clinique régulière, puis en contrepartie, des fois, le samedi matin ou un soir de semaine ou un matin de semaine où on ne fait pas de clinique physique, on peut se rajouter un 2, 3, 4 heures de services virtuels comme ça qui répondent à des besoins importants au niveau de la population. Fait que, étant donné qu'en fin de compte, on n'enlève pas nécessairement ces ressources-là du côté public, je trouve que c'est pas dommageable en tant que tel parce que les gens, comment ils voient ça, c'est un peu comme les chauffeurs de Uber, là, si on veut, là, souvent ils vont faire ça, certains peut-être à temps plein, mais la majorité, c'est comme un incremental revenue, là, t'sais, les gens vont faire ça sur une base de arrondir ou t'sais, faire une pratique complémentaire, là, si on veut. Merci beaucoup, Monsieur Lee. Alors, je vais prendre une dernière question avant de conclure. Josiane, donc, je pense que c'est moi qui vais y répondre. Pourrait-on avoir les slides de la présentation? Donc, Josiane, on va envoyer un courriel demain avec le PDF de la présentation et le lien en différé si vous souhaitez revoir le webinaire. Et Josiane vous demande, Docteur Lee, s'il y aurait une possibilité de parler avec une personne de votre équipe afin de discuter plus en détail avec vous. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, à la dernière slide, la question, il y a mon courriel qui est là. Fait que si vous voulez, là, vous pouvez m'écrire un courriel peut-être avec quel genre de questions vous aimeriez discuter. Puis à ce moment-là, on pourra communiquer avec vous certainement. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lee. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à notre partenaire TELUS et à vous tous d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous.